C'est intéressant de savoir que nos, dans notre vie de tous les jours, il va se passer plein de choses. Tu sais, il va se passer plein de choses juste dans une journée. Aujourd'hui, vous ne savez pas encore ce que la journée vous prépare. Une chose est certaine, c'est qu'il y a toujours les opportunités dans une journée qui vont vous ramener dans des états où la libération de ces anciennes charges devient possible. Et ça peut être des confrontations, des choses qui nous trigger, qui nous déclenchent. Ça peut être des malaises physiques, des douleurs chroniques. Ça peut être des événements répétitifs, des choses qui nous reviennent ici. Ça se passe tout le temps dans notre vie, c'est constamment là, tout le temps. Ça revient toujours. Pourquoi ça m'arrive à moi tout le temps? Parce que ça aspire tellement à être libéré. Ça dépend comment tu le vois. Tu sais, tu peux le voir, ah, je suis tellement fatiguée que ces choses-là se passent dans ma vie. Ou tu peux le voir comme, hey, là, c'est l'opportunité maintenant, ici, maintenant, de régler. Et c'est pour ça que ça se présente constamment, parce que j'arrive toujours pas à comprendre que ça vient pour être réglé. Donc, maintenant, comment on règle? Hein? C'est ça la question. C'est ça qui vous intéresse le plus. C'est, OK, mais comment je fais pour régler quand ça se présente? Quand je suis encore déclenchée, quand je me retrouve encore dans cette réaction qui m'amène dans la peur, quand je me retrouve encore dans cette réaction qui m'amène à me sentir diminuée, qui m'amène à me sentir trahie, qui m'amène à me sentir ci, qui me sentir ça. C'est tout relié au passé. C'est un mécanisme qui aspire à ici, maintenant, c'est le temps de régler cette trahison. C'est le temps de régler l'empreinte de la peur. Donc, comment on fait en accumulant? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, même si ça a l'air compliqué. En accumulant les moments de présence, les instants de présence. Plus on accumule les instants de présence, plus on est conscient que toutes ces choses-là, ça se passe avec notre conscience, non plus dans l'inconscient. Donc, avec les yeux de la conscience, on devient hyper connecté avec tout ce qui se passe à l'intérieur et qui désire processer. Être intégré enfin. On ne peut pas intégrer quand on vit dans le passé et quand on vit dans le futur, c'est impossible. Ça ne se fait pas. Malheureusement, notre cerveau analytique est constamment soit dans le futur ou dans le passé. OK? Donc, il y a un effort à faire. Comment l'effort se fait? Par la loi de la répétition. Sachant qu'on est toujours dans le passé ou dans le futur, plus on accumule les instants de présence et plus le corps sait comment le faire dans le day-to-day, comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas de recette secrète. Si vous ne le pratiquez pas tous les jours, vous allez retomber dans vos mauvaises habitudes d'être constamment en analyse vers le futur ou vers le passé. OK? Donc, la répétition. 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 Il n'y a pas de solution miracle et la discipline vient avec. Okay? Donc, c'est une discipline de réapprendre au corps à être présent. Parce que le corps a appris autrement. Soit qu'il a appris le corps que le futur est dangereux ou que le passé était dangereux et que le passé définit notre futur. Donc, ce n'est pas safe. Donc, c'est pour ça que souvent, lorsqu'on est dans le mode survie, stressé, on va toujours penser au pire scénario qui pourrait arriver. Mais ça, ce n'est pas normal. Quand on pense à ça, ce n'est pas normal parce que c'est toute une invention. On n'a aucune idée de ce qui va se passer demain. On n'a aucune idée. Personne ne sait. Donc, la solution, accumuler tous les petits moments de présence le plus possible dans une journée. Et plus on accumule la présence, et plus on permet à ces charges d'être libérées. Enfin. Vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, on va travailler sur accumuler les instants de présence par la respiration consciente connectée. Donc, plusieurs d'entre vous sont habitués de travailler avec la respiration consciente avec moi. Pour certains autres, c'est complètement nouveau. La technique qu'on va utiliser aujourd'hui est inspirée d'un de mes professeurs que j'adore, qui est Michael Brown, qui a fait toute une étude sur le processus de la présence. Et pour l'avoir fait deux fois, tout son processus,
à 6 ans d'intervalle. Je l'ai compris complètement différemment la deuxième fois. La première fois, je me suis lancée là-dedans, je me suis dit « ouais, ok, ok ». Et j'avais pas nécessairement compris c'était quoi vraiment d'accumuler des instants de présence. La deuxième fois que je l'ai fait, là, j'ai compris. Chaque mot était comme « wow, ok ». Je réalise pleinement que dans le présent, à travers les inconforts et tout, ma respiration, elle, me permet de relâcher tous ces inconforts. En fait, on dit « you breathe through the uncomfort ». Fait que, en fait, c'est pas de bloquer quand tu sens quelque chose d'inconfortable dans ton corps ou un muscle qui se contracte ou une tension dans le corps. C'est « you breathe through it ». Tu respires dedans, complètement dedans. Tu n'arrêtes jamais de connecter ton souffle. Donc, on s'est rendu compte qu'en connectant l'inspiration à l'expiration d'une durée égale, inspire-expire, on accumule les instants de présence. OK. Maintenant, cette séance va être faite par la respiration par le nez. Et c'est important de comprendre que c'est l'inspiration qu'il y a un effort dessus. L'expiration, elle est complètement normale. Elle se fait. On n'a pas besoin de la pousser, on n'a même pas besoin d'y penser. C'est son flow normal. L'effort doit être mis sur l'inspire. Et pourtant, ils sont d'égale durée, les deux. Et maintenant, je vais vous donner comme exemple une fontaine. Pour que l'eau monte dans une fontaine, ça prend de l'effort. On va against la gravité, à l'encontre de la gravité. Ça, c'est votre inspiration. Parce que vous êtes tellement habitué de respirer de façon superficielle, et c'est normal, hein? C'est avec le stress, avec toutes les façons dont on a réappris à respirer qui sont erronées. Ça va vous demander un effort d'inspirer comme la fontaine qu'il faut pousser l'eau pour qu'elle sorte. Maintenant, la fontaine, avez-vous remarqué ce qui se passe une fois qu'on a poussé l'eau et qu'elle redescend? Aucun effort nécessaire. La gravité fait son travail. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, l'effort, ça va être une respiration aujourd'hui diaphragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux que vous montiez votre souffle. Je veux que vous le sentiez ici, OK, en plein milieu ici. Je veux que ça soit senti. Donc, si j'inspire et je fais un effort, là, j'inspire, je ne fais pas d'effort. OK, regardez bien ce qui se passe ici. Là, je ne fais pas d'effort, je respire normal. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Hein? On s'entend, vous voyez même, mais là, vous vous demandez, mais on est supposé de voir quelque chose? Non. Parce que c'est une respiration superficielle. Et c'est celle qu'on utilise la majorité du temps. OK? Maintenant, je vais inspirer avec un effort. Vous allez me dire si vous voyez une petite différence. OK? Vous percevez la différence. C'est évident. Donc, je veux absolument que votre inspiration soit une inspiration diaphragmatique. Je veux la sentir exactement. Je veux que vous sentiez qu'il y a un effort du muscle du diaphragme, OK, quand vous allez respirer aujourd'hui. OK? Donc, super important. Hein, le diaphragme, c'est comme il est comme arqué comme ça. Il fait ce mouvement-là. OK? Et vous devez sentir ça aujourd'hui dans votre inspiration. À l'expiration, tout se fait tout seul. On n'a pas besoin de la pousser, on n'a pas besoin de la forcer, on n'a pas besoin de serrer la glotte de la gorge pour limiter le débit. Non. Ça se fait tout seul. Mais la durée est égale. OK? Donc, l'effort est mis sur l'inspire. Aucune pause jamais entre l'inspiration et l'expiration et entre l'expiration et l'inspiration. Ça ne veut pas dire que je respire vite. Vous avez vu, c'était très lent. Très, très doux, très, très lent. OK? Donc, lentement, mais sûrement. Profondément. Doucement, mais profondément. OK? Donc, en accumulant ces cycles respiratoires connectés circulaires, on accumule des instants de présence. On va ajouter, dans les 15 premières minutes qu'on va travailler aujourd'hui, on va ajouter une phrase qui vient directement du processus de la présence de Michael Brown, que je refais encore aujourd'hui, en fait, que j'utilise constamment dans ma journée pour accumuler mes instants de présence. Je suis ici, maintenant, dans ça.
Je ne peux rien changer, je ne peux rien contrôler. C'est ça maintenant. Je ne me sens pas bien. Je suis ici maintenant dans ça. Est-ce que ça veut dire que ça va être ça dans la prochaine minute? Non. Ça va être autre chose. Et je vais être dans autre chose. Donc, lorsque intérieurement, je récite « je », j'inspire. « Suis », j'expire. « Ici », j'inspire. « Maintenant », j'expire. « Dans », j'inspire. « Ça », j'expire. Donc, vous comprenez le principe. « Je suis ici, maintenant, dans ça. » Pourquoi on dit ça? Parce que ça, en fait, ça vous empêche de respirer en enlevant votre focus sur votre souffle, en allant, je dirais, vous promener dans votre mental. Donc, on est encore plus présent. La respiration connectée va vraiment nous aider à accumuler les instants de présence. Et quand on récite ce mantra avec cette montée et cette descente, on est encore plus présent. Et on est en train de se dire que même si j'ai un inconfort, même si j'ai une émotion qui a envie de refaire surface, je suis ici, maintenant, dans ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accepte. J'accepte ce qui est maintenant, comparativement à ce qu'on fait constamment. L'évitement, on fait semblant que ce n'est pas là. On essaie de trouver un processus qui va compenser pour ne pas ressentir. Et ça empêche tout le temps ces libérations de charge en fait, de terminer leur cycle, d'être libérées complètement. Notez vos comportements. Quand il y a un malaise, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mon mal de dos? Je pense que je vais mettre du froid ou du chaud. On est toujours dans l'action de « je veux que la douleur s'en aille », mais la douleur, elle a une raison. Elle a une raison. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, je le fais moi aussi, ça m'arrive, puis des fois, c'est « unbearable ». Des fois, c'est tellement, tellement intense que on doit trouver une solution. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Dans une séance de respiration, il y en a plein des tensions. Pourquoi? Parce que ça aspire, ça bouge et ça aspire à être libéré. Est-ce que je suis capable? Combien de temps je suis capable d'être pleinement, avec mon souffle, dans cet instant présent, dans cette tension? Est-ce que je suis capable de réellement accepter que ça bouge à l'intérieur et que ça désire être libéré? C'est le but de l'exercice. Combien de temps je suis capable de rester en harmonie et bien connecté dans la présence à travers l'inconfort? Donc, c'est pour ça que les 15 premières minutes, je vais vous demander de ne pas bouger, si vous êtes capable. Donc, sentez-vous pas mal si vous devez bouger. Moi, je ne suis pas là pour vous dire « Non, attention! » Non, on fait une expérience, OK? Donc, les 15 premières minutes, essayez le plus possible d'être dans l'immobilité, OK? Ensuite de ça, je vais vous indiquer autrement, OK? Donc, la respiration est très courte aujourd'hui. Ça va durer à peu près 30 minutes. OK, les 15 premières minutes, on essaie le plus possible d'être dans l'immobilité assis avec le mantra. Je suis ici, maintenant, dans ça. Les 15 autres minutes, je vais vous guider vers autre chose. Quand on ne bouge pas, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, on est pleinement présent avec l'activation de la respiration qui, elle, va amener les charges à refaire surface. Donc, vous allez sentir des petits inconforts, c'est normal. Et maintenant, essayez de voir comment je me sens dans ce qui émerge. Tu sais, vous allez avoir tendance à « Ah, je ferai une posture de yoga, là, c'est vraiment pas confortable. Ah, il me semble que j'irais craquer mon épaule. » Ou « Ah! » Essayez juste de voir qu'est-ce que ça fait de rester avec ça. C'est juste 15 minutes, c'est pas la fin du monde. Tu sais, essayez, juste pour voir. Et si ça devient trop, mais allez-y, bougez. C'est une expérience, OK? Dans les 15 minutes qui vont suivre, on va permettre le mouvement. Donc, ça va devenir possible d'aller décharger tout ça. Et moi, en fait, l'exercice, le but, c'est de ressentir pleinement dans l'instant présent autant l'inconfort que le confort. Tout ce qui est, sachant que ça va bouger, ça va se transformer constamment. Maintenant, assez parlé. On a la belle Elisabeth Harvey et la magnifique aussi Isabelle Côté qui sont avec nous pour vous aider, répondre à vos petites questions. Elles vont garder leur caméra ouverte pendant la séance d'aujourd'hui. Donc, s'il y a quoi que ce soit,
Elles vont m'écrire, je suis là pour vous. Elles sont là en support. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire dans le chat et elles vont vous répondre. Elles seront là aussi à la fin pour les questions. Alors, installez-vous confortablement. Confortablement, idéalement sur une chaise, le dos doit être droit. Idéalement pas dans votre lit, parce que le lit est une symbolique de faire de dos. Hein? C'est normal. Et le processus qu'on fait aujourd'hui, ben, c'est pas faire de dos, c'est d'être complètement présent dans ce qui se passe. Et lorsque vous êtes bien installé, je vous invite à... Pardon. Peut-être sentir le sol. Un point d'ancrage. Et aujourd'hui, dans cette séance, je vous invite à toujours vous rappeler de cette connexion avec le sol. Cet ancrage qui est disponible. Donc, peut-être que vos pieds touchent le sol, peut-être que vous êtes assis sur le sol. Prenez le temps de bien sentir le support de la terre. Et sachez que vous pouvez revenir dans cet ancrage, dans ce support, dans cette connexion de telle partie du corps avec le sol pour vous ramener dans le calme, dans la sécurité, dans votre centre. Si vous avez la possibilité d'ouvrir vos caméras, ce serait vraiment précieux. Notre travail est de vous supporter dans une expérience qui n'est pas si évidente. Elle n'est pas supposée d'être facile. Aller dans l'inconfort, ce n'est pas nécessairement facile. Donc, c'est notre travail de vous épauler, d'être là pour vous. Alors, si vous pouvez ouvrir vos caméras, ce serait vraiment précieux. Tranquillement, toujours en sentant cette connexion au sol et en vous rappelant que vous êtes supporté dans cette expérience. Commencez doucement à respirer pleinement de façon connectée par le nez. On sentir vraiment le muscle du diaphragme qui vient s'étirer sur l'inspiration. Et tout de suite, à la fin de l'inspiration, sans pause, j'expire et ça se fait tout seul. Quelle différence entre l'inspiration qui demande un effort et l'expiration qui ne veut que revenir à la base, en fait, qui est toute simple, toute naturelle. Et gardez ces inspirations et expirations douces et profondes à la fois. Donc, aucunement besoin d'aller rapidement, loin de là. J'inspire profondément, tout de suite, je reconnecte mon expiration. Et tout de suite, après mon expiration, je reconnecte mon inspiration où je ressens cet effort qui est demandé sur l'inspire. J'accueille l'immobilité. Avec ses difficultés, tranquillement, j'essaie le plus possible de tenir le coup, de simplement amener mon focus, mon attention sur mon inspiration et mon expiration bien connectés ensemble. Que votre corps s'habitue à cette nouvelle façon de respirer, vous allez ajouter votre mantra. Sur l'inspiration, je. Sur l'expiration, suis. Sur l'inspiration, ici. Sur l'expiration, maintenant.
Inspiration dans. Expiration sans. Je suis ici, maintenant, dans ça. Ce qui veut dire dans une totale acceptation de ce qui est agréable ou désagréable, peu importe. Je suis ici, maintenant, dans ça. Son inspiration va avec le je et ainsi de suite. Suis, expire, ici, maintenant, dans ça. J'accumule les instants de présence, une respiration à la fois, en connexion, pleinement conscient, consciente de ce qui bouge en moi, de ce qui refait surface, sachant que je suis en sécurité, le sol me supporte. Respiration est mon ami, mon allié. Je peux lui faire confiance. De même que je peux faire confiance à mon corps qui aspire constamment à libérer ou redevenir unifié, non plus fragmenté. Unifié, connecté à tout ce qui est. J'inspire et j'expire en connexion dans l'immobilité, en accumulant la présence à chaque instant. Je suis ici, maintenant, dans ça. Tout simplement. Aucune pause entre l'inspire et l'expire. Et si vous vous endormez, si vous déconnectez, augmentez le rythme. Donc, plus d'intensité sur votre inspiration, donc elle devient un petit peu plus profonde. Et l'expiration va suivre, qu'elle doit demeurer d'égale durée. Par le nez. Inspiration, expiration par le nez, à moins d'avoir un problème, la difficulté à utiliser le nez pour la respiration. Mais c'est bien important de ne pas faire ici inspire par le nez, expire par la bouche. Pourquoi? C'est bien bon dans plein d'autres choses, mais pas pour cette séance-ci, parce que ça va changer. Le niveau d'oxygène est CO2 et on ne veut pas ça pour le but précis qu'on fait aujourd'hui, qu'on explore aujourd'hui. Donc, idéalement, le tout se fait par le nez aujourd'hui, car c'est un petit peu plus doux, même si on travaille l'activation. Et si vous avez un empêchement, vous y allez par la bouche, mais de façon très douce. Explore l'immobilité, encore et toujours. On accumule la présence à soi, au corps physique. On est conscient des endroits qui
peuvent devenir inconfortables. Mais on ne permet pas au cerveau analytique de commencer son discours. On ramène l'attention sur le souffle et sur le mantra. Je suis ici, maintenant, dans ça. Inspire avec présence, avec confiance. Rien d'autre à faire que d'être pleinement présent ici maintenant. Respire bien, demeure bien connecté avec ton mantra dans la présence, sachant que tu accumules en ce moment les instants de présence. Suis-je capable d'être OK avec les inconforts, l'immobilité? Plus j'active ma respiration, plus ces inconforts reviennent à la surface, aspirant à être libéré. Nous ne sommes pas attachés à d'où exactement elles viennent, ces charges. Mais simplement, l'objectif ici est de permettre, d'ouvrir, d'être OK. D'accepter de ressentir pleinement, ici, maintenant, sans bloquer. Et s'il y a de la résistance, juste noter, observer cette résistance. Thank you.
Regarde la respiration bien active. L'inspiration est profonde, elle bouge ton muscle du diaphragme. Elle le transporte, elle le berce comme une vague. Permets-toi d'être pleinement présent, présent. Avec les sensations qui remontent, avec les ressentis. Qu'est-ce qui désire émerger ici maintenant? Qu'est-ce qui aspire à être libéré pleinement? Suis-je capable de permettre? Suis-je prêt? Suis-je prête à permettre ce processus? À dire oui, enfin, à me rapprocher du vrai soi, de mon essence véritable, cachée sous ces couches de protection. Et tranquillement, à partir d'ici, gardez votre respiration active de la même façon, mais commencez à ouvrir la possibilité de bouger tout doucement ou non. Si vous sentez qu'il y a une partie du corps qui demande, soit un roulement d'épaules, une légère flexion du bassin, peut-être une rotation. Gardez le mouvement ultra lent, tellement lent que j'ai de la difficulté à percevoir si je vous regarde. Soyez conscient des besoins du corps en ce moment. Donc, en permettant au corps de bouger doucement, toute l'activation qu'on vient de faire sans bouger, on permet de décharger légèrement, mais tout petit peu par tout petit peu, dans la conscience, bien sûr. C'est ça qui est important ici. Être conscient des parties du corps qui aimeraient, qui aspirent à débloquer ou à bouger doucement, organiquement, pour permettre à la charge de circuler. Et on laisse aller, on permet ce mouvement naturel, très très doux, très long. Donc ici, ce n'est pas bouger pour bouger. Et ce n'est pas une obligation non plus. Donc le mouvement va se faire seulement si à l'intérieur, il y a un ressenti qui pousse, qui amène une pulsion du corps physique à se déplacer d'une façon. Et plus il y a lenteur, plus on est conscient de ce besoin et de comment l'énergie circule dans telle ou telle partie du corps. On se rappelle ici, si l'émotion remonte, où est-ce que je la ressens dans mon corps physique? On ne laisse pas le cerveau analytique embarquer dans pourquoi je pleure,
pourquoi j'ai cette émotion qui est en moi. On plonge dans le corps physique pour aller voir où est-ce que ça se passe, cette émotion dans mon corps. Est-ce que c'est dans ma gorge? Est-ce que c'est dans mon cœur? Est-ce que c'est dans mon ventre? Et derrière tout ça, quelle est la sensation derrière ce ressenti, cette émotion? Si j'avais à décrire la sensation, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que c'est comme une pression? Est-ce que ça a une texture, une couleur quelconque? Est-ce que ça a un poids? Léger, lourd? Attention de ne pas tomber dans un mouvement répétitif. Ok, super important. Si vous tombez dans un mouvement répétitif pendant que vous ressentez une émotion, vous n'êtes pas en train de la processer complètement. Donc, il y a une partie qui refuse. Ok? Donc, ramenez dans où est-ce que je ressens ça dans mon corps. Et si vous avez besoin d'amener du support, une main sur cet endroit du corps, placez la main sur cet endroit. Et ressentez la sensation sous votre main. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Suis-je capable d'amener mon souffle dans ce ressenti? Et si j'ai besoin de ressentir aussi, me permettre de connecter avec le sol, connecter avec mon sens de la sécurité. Je suis bien ancrée. Prenez le temps de ressentir les parties du corps qui touchent le sol. Et sentez comment ça vous fait sentir d'être en sécurité, d'être supporté par la Terre-Mère, dans ce processus complètement naturel et sain. Ces empreintes et ces charges sont en vous. Elles font partie de vous. Oui, il y a certainement de l'attachement. Maintenant, c'est une décision de choisir aujourd'hui. Ça me fait plus de mal que de bien. Je choisis avec toutes mes cellules de libérer parce que ça ne me sert plus. Donc, il y a une certaine décision à prendre face à cet attachement que l'on peut avoir à ces anciennes charges qui sont maintenues en place par notre énergie à nous. Je choisis ici, maintenant, peut-être de libérer quelque chose de particulier. Un comportement. Quelqu'un qui vous a fait du mal. Une trahison. Peu importe. C'est un choix. Lorsque l'on choisit de libérer, on donne comme un go à la conscience divine pour aider, supporter ce processus. Mais ce processus passe par l'inconfort. Un inconfort qu'on n'a comme pas le choix d'accepter. Et la respiration devient notre meilleure amie. On respire dans l'inconfort, on permet à cette charge d'être enfin poussée, libérée. Permettez à votre corps de recevoir le souffle et d'accepter le mouvement qui désire se produire s'il y a lieu. Peu importe si ce mouvement fait du sens ou pas. Acceptez d'être pleinement présent
à qui l'on est. Avec nos ondes d'ombre et de lumière. Apprendre à ressentir pleinement autant l'agréable que le désagréable. L'énergie aspire à être en mouvement constamment. C'est nous qui la bloquons et qui créons toutes ces amalgames de charges qui nous font mal. Si aujourd'hui je choisissais d'ouvrir, de libérer, de recevoir la nouvelle énergie, et si aujourd'hui, par la pure présence, je me permettais d'accumuler cette nouvelle énergie dans ces instants de présence. Cette nouvelle énergie qui est beaucoup plus alignée au vrai moi, au moi d'aujourd'hui, plutôt qu'au moi d'hier. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Et si le travail que je faisais maintenant, en l'instant présent, avait un impact grandiose sur la co-création de mon futur, un futur plus aligné, plus en paix. Un futur où il y a beaucoup moins de bagages, de pesanteur, de programmation qui ne me ressemble plus. Mais tranquillement, vous pouvez relâcher la respiration, connecter et simplement amener la main gauche sur votre cœur. En vous promettant en commençant aujourd'hui à continuer d'accumuler les instants de présence, ne serait-ce que à des petits moments dans la journée où vous arrêtez deux petites minutes, vous connectez votre souffle avec votre mantra. Je suis ici, maintenant, dans ça. Et un petit peu plus tard, avant de se coucher, un autre petit deux minutes, je suis ici, maintenant, dans ça. Et ce moment est important. Même s'il n'est pas facile, ce moment est valide. Complètement valide et important. Prenez le temps de vous remercier d'avoir choisi pleinement d'être ici, facile ou pas, et d'avoir le désir de retrouver le vrai soi. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous êtes prêt. Et prendre le temps de faire les mouvements nécessaires d'étirement. D'être conscient de votre énergie. Et suite à la séance, si vous sentez encore beaucoup d'activation, je vous conseille soit de faire des secousses avec vos bras, peut-être un petit body shaking, être debout et vous faire trembler le corps. Peut-être aller prendre une marche,
Donc, être à l'écoute de tout ce qui a besoin de bouger dans le corps. OK? Bien important. Toujours en accumulant les instants de présence. Magnifique, tout le monde. Merci d'avoir été là. Namasté.